Comment guérir d'une bronchite? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une maladie fréquente, c'est la bronchite. Tu as du mal à respirer, une toux persistante et tu te sens épuisé? Pas de panique. Dans cette vidéo, nous allons te donner tous les conseils nécessaires pour guérir rapidement et efficacement d'une bronchite. Avant de chercher à traiter ta bronchite, il faudrait déjà comprendre c'est quoi une bronchite. La bronchite est une inflammation de la trachée et des voies respiratoires causée par une infection. Les infections à l'origine de la bronchite aiguë débutent généralement par des symptômes d'une grippe banale, écoulement nasal, mal de gorge et fatigue. Au bout de quelques jours, la toux apparaît généralement sèche. Au début, les personnes peuvent expectorer des petites quantités de mucus blanc. Le mucus passe souvent de blanc à verdâtre ou jaune et il s'épaissit. Le changement de couleur n'indique pas une infection bactérienne, il indique uniquement que les cellules associées à l'inflammation se sont déplacées dans les voies respiratoires et qu'elles colorent les expectorations. D'autres signes sont retrouvés comme la fatigue, un essoufflement, une sensation de malaise général et une douleur thoracique. La fièvre est souvent légère, sauf si la bronchite a été causée par une infection plus grave. Comme la bronchite peut temporairement rétrécir les voies aériennes, les personnes peuvent développer une respiration sifflante et ou un essoufflement, comme dans le cas d'une crise d'asthme. La bronchite aiguë n'entraîne pas de complications graves à elle-même, cependant la toux peut durer 2 à 3 semaines, voire plus longtemps. Qu'est-ce qui cause la bronchite? La bronchite aiguë est provoquée par une infection due à des virus le plus souvent ou des bactéries. La bronchite survient le plus souvent en hiver et peut être provoquée par un certain nombre de virus communs, notamment le virus de la grippe et le virus à l'origine du rhume. Même après la résolution d'une infection virale, l'irritation secondaire peut faire persister les symptômes pendant plusieurs semaines. Les bactéries causent moins de un quart des bronchites sur 20. Il est plus probable qu'une bronchite aiguë soit due à des causes bactériennes quand beaucoup de personnes dans la même région sont affectées en même temps. Comment je me soigne? Chez les enfants et les adultes en bonne santé, la bronchite aiguë guérit naturellement en une dizaine de jours. Les médicaments proposés visent à soulager les symptômes associés, par exemple la fièvre ou la toux sèche lorsqu'ils sont gênants. Voilà quelques conseils pour vous aider à la guérison. Se reposer. Prenez beaucoup de repos pour permettre à votre corps de combattre l'infection. S'hydrater. Buvez beaucoup de liquide, eau, tisane, pour fluidifier les sécrétions et maintenir vos voies respiratoires hydratées. Utilisez un humidificateur pour maintenir l'air humide, ce qui peut aider à soulager la toux et les congestions. La médication. Prenez des analgésiques comme le paracétamol pour réduire la fièvre et la douleur. Les antitussifs ne sont pas recommandés en cas de bronchite. Il faudra aussi éviter les irritants, éviter de fumer et de vous exposer à la fumée ou à d'autres irritants pulmonaires. L'inhalation de vapeur peut aider à ouvrir les voies respiratoires et à soulager la toux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de lâcher un like, un commentaire et abonne-toi. À la prochaine!